à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, présenté par Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, et par Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre. Cette loi a pour objectif de faciliter la construction de nouveaux logements et de protéger les plus fragiles. Cette loi consiste à simplifier les normes pour construire davantage et plus vite, de lutter contre les recours abusifs contre les permis de construire, de faciliter la transformation des locaux vides en logements, de réaménager les centres-villes des villes moyennes et de réorganiser les structures HLM pour construire de nouveaux logements sociaux. Non, les députés de La République En Marche ne vont pas baisser le nombre de logements pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante et nous sommes bien loin des 100% de logements neufs accessibles prévus par la loi actuellement. Avec l'article 18 de la loi Elan, c'est demain 100% des logements qui pourront être adaptés. Ainsi, tout type de logement sera évolutif et des travaux pourront être menés afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Après l'examen de 3160 amendements en séance publique, la première lecture de ce projet de loi se terminera aujourd'hui à l'Assemblée nationale et cette loi sera votée définitivement dans les jours qui suivent. Je vous remercie pour votre attention.